C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Sparklight en version 1.0.7 pour WebOS. Je vais lancer le jeu. Alors, on va appuyer sur Start. Alors, sur la gauche, j'ai des extras avec la possibilité d'acheter la version complète du jeu. J'ai un How to Play, donc comment jouer. Bon, malheureusement, c'est en anglais, mais il n'y a pas grand-chose à savoir, heureusement. J'ai des options pour le volume du son ou encore le volume de la musique. J'ai les crédits aussi ici. J'ai More Game qui va m'ouvrir une page du navigateur. Avec le site web de l'éditeur et d'autres jeux. Alors, on va appuyer sur Play. Donc, Play Quest. Alors, je vais faire une nouvelle partie. Je vais effacer l'ancienne. Jour 1. Donc, il me réexplique à nouveau les instructions du jeu. Ok. Et le jeu commence. Donc là, j'ai une boule rouge ici. Donc je vais viser des boules rouges. Ah, c'était une boule jaune. Donc une boule jaune, je vais viser des boules jaunes. Une boule rouge, je vais viser ici. Une boule jaune. Une boule verte. Alors je peux intervertir les boules en appuyant ici. Bon là, c'est du jaune. Mais par exemple, là, j'ai du jaune. Là, j'ai changé, j'ai pris la rouge. Là, j'ai repris la jaune. Alors, le but du jeu, bien évidemment, éliminer au maximum les boules. Bon, je suis pas très bon, hein. Enfin, vous jouez comme ceci, le but du jeu étant que les boules n'atterrissent pas dans le trou ici au milieu, sinon vous avez perdu. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.